Voilà, merci bien. Mais avant de commencer, je voulais avant tout remercier les organisateurs du colloque, leur accueil, et surtout m'excuser avec vous parce que si pour moi a été assez facile de dépasser les frontières physiques entre la France et l'Italie, bon, ce sera un peu plus difficile de dépasser les frontières linguistiques. Donc, étant donné que je ne peux pas parler en italien, vous serez obligé d'entendre mon mauvais français, je m'en excuse. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas quelque chose. Je ferai comme Harlequin dans nos pièces italiennes du XVIIIe siècle. Quand il y a quelqu'un qui ne comprend pas, il commence à parler toutes les langues à la fois et il se fait comprendre. Bon, j'utiliserai un peu d'anglais, d'espagnol et on arrivera à avancer. Voilà, je parle donc de la Révolution. En janvier 1790, Louis-Sébastien Mercier saluait avec les mots suivants l'année qui venait de s'écouler et je cite ces mots. Adieu, mémorable année et la plus illustre de ces siècles. Année unique, année immortelle, qui avait fixé un terme à l'avilissement du peuple. Quel événement inattendu renferme cette année? Depuis l'espace de quelques mois, on a réparé les malheurs et les fautes de plusieurs siècles. Grande année, vous serez l'année régénératrice, vous emporterez les noms. L'histoire célébrera vos faits. Vous fouillez pour vous enfoncer dans le temps. Adieu, puisqu'il est impossible à nos voeux d'allonger votre terme. Mais dites bien du moins, ma chère fille, l'année 2440, que nous courons au-devant d'elle de toutes nos forces, que nous précipiterons notre marche pour l'atteindre et pour l'embrasser. Sans flatterie, vous lui ressemblez beaucoup, chère fugitive. J'ai cru même un instant qu'il n'y avait qu'à changer les dates de naissance. Adieu, tumultueuse, mais très chère et très aimable année. Bon, fin de la citation. Ces affirmations du célèbre dramaturge et écrivain, qui était auteur, entre autres, du roman mentionné ci-dessus, qui était intitulé « L'année 2440 », où est dépeinte une hypothétique société future fondée sur la justice et l'égalité, exprimaient les sentiments d'étonnement qui a été partagé et extériorisé par la plupart des acteurs et des témoins des journées de juillet 1789. Extrêmement diffuse a été l'impression de stupeur face à des événements que beaucoup de Français ont perçus comme imprévisibles, qui semblaient avoir changé en un seul instant, non seulement de la France elle-même, le destin de la France elle-même, pardon, mais aussi celui de l'humanité tout entière. Citons l'opinion rapportée dans les pages du journal Révolution de Versailles et de Paris du 8 octobre 1789. Je cite, ceux qui s'autorisent du passé pour juger le présent et l'avenir ne savent pas trop comment adapter leur système à la révolution actuelle. Elle ne ressemble à rien de tout ce qu'on lit dans l'histoire. C'est en vain qu'on lui chercherait un objet de comparaison. On ne le trouverait pas. Tout, jusqu'à la manière dont cette révolution s'est opérée, sort de la classe des événements politiques connus jusqu'à ce jour. En effet, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment tient tellement au prodige qu'il n'est personne qui ne croit vivre dans l'enchantement. Cet article faisait écho à ce qui avait été publié dans les numéros du Mercure national et étranger, et je cite encore, « La Révolution de France, par son étonnante rapidité, par l'énorme distance qui séparait l'ancien régime du nouveau, par la grandeur des choses qui s'y sont faites, doit influencer principalement et accélérer partout le règne de la liberté. » Bon, conscient de l'unicité du temps historique qu'ils étaient en train de vivre, et de l'importance qu'il exercerait sur les générations futures, les Français qui avaient vécu les journées de 89 ont attribué, dès le début, une signification symbolique très forte à la conquête de ces châteaux forts exécrés, c'est leur mot, symbole du despotisme, qui avait enfin fini par se plier à la force des nouveaux héros de la patrie. La victoire sur l'armée, qui défendait une prison jusqu'alors inexpugnable, n'avait pas permis seulement la prise d'un important point stratégique au cœur de Paris. Il y avait quelque chose de plus. Il s'agissait symboliquement de la victoire de la liberté sur la tyrannie, de la lumière sur l'obscurité, de la vérité sur les mensonges. Ben, c'était comme si, au moment de dépasser matériellement les murs de la Bastille, les assaillants avaient en même temps franchi une frontière spatio-temporelle imaginaire au-delà de laquelle il y avait ces mondes nouveaux, définis ainsi en opposition au régime politique et social préexistant, qui avait aussitôt rebaptisé Ancien Régime, sur lequel avaient été magiquement projetés non seulement tous les Français, mais aussi l'ensemble de l'humanité.
C'est ce que laisse transparaître, par exemple, les mots rapportés dans un article publié le 8 août 1789 dans les nouvelles éphémérides de l'Assemblée nationale. Je le cite. « Un moment, on a vu tomber le despotisme et renaître la liberté. Un moment a emporté la Bastille et il n'a fallu qu'un moment pour ramener le patriotisme, la concorde et la générosité dans un lieu où l'orgueil, la discorde et l'intérêt semblaient s'être fixés pour n'en sortir jamais. Ce sont là de ces événements rares qui confondent toute la prévoyance humaine. » Bon, mais sur quelle base devrait s'appuyer ce monde nouveau qui s'était formé après les journées de juillet 1789? Les mots du journaliste anonyme cité, qui oppose le despotisme à la liberté, la discorde à la concorde et puis la générosité à l'intérêt, sont en ce sens significatifs. Il s'agissait, dans l'optique de beaucoup de personnes, de construire une société qui fut fondée sur les principes contraires à ceux qui régissaient la France de l'Ancien Régime. Un pays jusqu'à ce moment-là, qui était jugé être replié sur lui-même et gouverné par des classes privilégiées qui, pendant des siècles, s'étaient montrées sourdes aux principes de liberté, d'égalité, de justice et de tolérance que les hommes de la Révolution voulaient alors ériger en pilier, non seulement de la nation française, mais aussi de celle bien plus étendue dans laquelle vivait, et ce sont leurs mots, la grande famille du genre humain. Au moment où il avait décidé de faire passer la Constitution avant les textes de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, les législateurs du monde nouveau avaient voulu envoyer un message très fort à tous ceux qui, dans le reste de l'Europe, mais aussi dans les Amériques, suivaient avec intérêt ou admiration les événements de la Révolution de France. La libération des Français serait bientôt suivie, dans leur optique, de celle de tous les peuples esclaves du despotisme qui gémissent dans le reste du monde. Nouvel évangile annonciateur de la bonne nouvelle, les textes de la Déclaration des droits réveilleraient les consciences des individus et des communautés entières. Après s'être enfin réveillés du long sommeil de la raison, et je cite, « les habitants de tout l'univers s'uniraient dans une accolade fraternelle, ils franchiraient enfin les limites et les frontières et créeraient la grande république du genre humain. » Bon, l'idée de la constitution de la république du genre humain qui naîtrait inévitablement une fois que la nouvelle de la Révolution de France parviendrait aux oreilles des peuples les plus éloignés, était au centre des textes d'Anacharsis Klotz. Noble prussien qui avait épousé avec joie les principes ayant inspiré ce qu'il a défini à plusieurs reprises les plus grands événements qui se soient produits dans l'histoire de l'homme, l'écrivain a théorisé les bases de la République universelle dans un de ses ouvrages publié à Paris en 1793 et dont le titre est justement « Base constitutionnelle de la République du genre humain ». Réunis dans une immense fédération dans laquelle seraient abolies les idées mêmes des frontières et d'étrangers, les peuples du monde reconnaîtraient dans la France révolutionnaire leur capitale, qui deviendrait le siège d'un grand parlement démocratique et universel. Je cite. « La souveraineté réside essentiellement dans le genre humain entier. Elle est une, indivisible, imprescriptible, immuable, inaliénable, impérissable, illimitée, absolue, sans borne et toute puissante. Les liens élastiques des droits de l'homme se plient à toutes les circonstances favorables à l'humanité. Rien au monde ne saurait désunir la République des droits de l'homme. J'occupe la tribune de l'univers et nos principes vont frapper l'oreille de tous les hommes. Les dénominations des Français et d'universels vont devenir synonymes à plus juste titre que les noms des chrétiens et des catholiques. Les droits de l'homme s'étendront sur la mentalité de l'homme et la différence des costumes, des cultures et des cultes ne troublera point l'harmonie sociale. Les prétendues barrières naturelles qui s'opposent à cette union désirable sont aussi fragiles que factices. Les Alpes et les Pyrénées, les Rhins et l'océan, dans les siècles ténébreux, n'ont pas été des barrières pour les Carthaginois et les Romains, pour les Grecs et les Normands. Toutes les barrières tomberont, toutes les rivalités locales agiront au profit de la sans-culotterie universelle, de la nation unique et indivisible. Les mots « étranger » sera banni, l'étranger, expression barbare dont nous commençons à rougir et dont nous laisserons la jouissance à ces ordres féroces que la charrue des hommes civilisés fera disparaître sans effort. Bon, les mêmes espérances avaient été exprimées quelques années auparavant par l'abbé Fauché lors de l'inauguration de la Confédération universelle des Amis de la Vérité. Cette dernière regroupait tous les citoyens du monde qui avaient accouru en France à l'annonce de la bonne nouvelle et qui entendaient unir leurs efforts à ceux des Français
pour construire un monde uni, fondé sur la paix et sur la tolérance réciproque, qui ne tarderait pas à se réaliser. Je le cite. L'Amérique avait donné l'exemple à l'Europe, la France le donne à l'univers. Nous sommes libres, nous laissons sa retour. Le genre humain va l'être, car le génie français, élevé à la hauteur de la liberté, ne peut plus être contenu. Il va bientôt la montrer dans tous ses charmes et la faire adorer de deux mondes. L'homme est sorti des cachots de la servitude, des châteaux du despotisme, des repères de la haine, des donjons de l'orgueil et des abîmes du mépris. On achèvera de nettoyer l'air du genre humain et chacun foulera d'un pied tranquille la terre qui doit les nourrir et embrassera d'un cœur affectueux les frères qu'il doit aimer. Quand nous serons à ces termes, il est sensible que nous y amènerons tous les hommes. Car une grande nation ne peut être en harmonie d'amour sans y faire entrer par un attrait invincible toutes les nations. Ce qui ne mesure que la portée de l'esprit humain que par sa longue enfance, que sur la durable inertie de ses bons sentiments, regarde cet état de perfection comme une chimère et considérera notre projet de fédération universelle comme un beau rêve. Mais l'on était détourné de l'espoir de notre révolution par de semblables idées d'impuissance. L'on voyait l'anéantissement des préjugés affirmés par tous les siècles comme la perspective d'une philosophie en délire. Et cependant, nous voilà libres d'un joug qui pesait sur nos pères depuis l'origine des choses. Nous voilà les maîtres de nos pensées, de nos paroles, de nos vertus sur cette terre habitée de tout temps par les fanatismes et par l'hypocrisie. Bon, l'abbé Fauché invitait non seulement tous les présents, mais aussi tous les Français à avoir confiance dans la réalisation des rêves que beaucoup percevaient comme une vaine chimère. Même les conquêtes révolutionnaires avaient été taxées comme telles dans les temps par ceux qui avaient combattu âprement contre les philosophes qui, dans un certain sens, en étaient les premiers partisans. Et pourtant, à la fin, l'impossible était devenu possible et avait pris forme et vie sous les yeux étonnés des Parisiens, des Français, du monde entier. Ces mêmes Parisiens qui, pour le moment, pouvaient voir se concrétiser la promesse d'une société universelle sur les scènes de théâtre qui étaient devenues, au lendemain des mois de juillet 89, des caisses de résonance des idéaux et des principes inspirateurs de la Grande Révolution. Libérés de toutes les contraintes législatives qui avaient été imposées aux salles de spectacle pendant l'Ancien Régime, les théâtres avaient été promus au rang d'école des mœurs et de patriotisme, lieux privilégiés de représentation non seulement d'événements réels, c'est-à-dire les journées révolutionnaires, les actes de courage et de dévotion à la Constitution, etc., mais aussi du proche avenir qui se réaliserait rapidement. Un des exemples les plus significatifs en ce sens est proposé par la pièce intitulée « Les passés, les présents et l'avenir », dans laquelle son auteur, lui, Benoît Picard, présente au public, ce sont ses mots, l'obscurité du passé, les ombres du présent et enfin la lumière de l'avenir. Un avenir radieux dans lequel les peuples se réuniront enfin dans une accolade fraternelle. Voilà ce qu'il dit un des personnages dans la dernière partie de cette pièce, où on met en scène l'avenir qui s'est enfin réalisé. Il s'appelle Lucas, il dit « Il vient ce jour heureux, ce jour où dans Paris, dès l'univers entier, les députés unis vont se promettre amour et concorde éternelle. La raison, proclamant la paix universelle et donnant le signal de la fraternité, du crime de la guerre, absout l'humanité. Ce triomphe manquait à la philosophie, le monde désormais ne fait plus qu'une seule patrie, des quatre coins du monde on accourt à Paris, et le 14 juillet, c'est justement le jour qu'on a pris. Pour finir dignement ce glorieux ouvrage, de nombreux voyageurs traversent ces villages et nous nous empressons de bien les recevoir. On fait pour cela des fêtes chaque soir. On entend un prélude des marches et on voit arriver successivement un Espagnol, un Anglais, un Russe, un Turc, un Noir, un Italien, tous avec les habits de leur nation, les uns par mer, les autres par terre. À mesure qu'il arrive, les paysans s'empressent autour d'eux et semblent se disputer l'honneur de leur donner hospitalité. Bon, l'arrivée sur les côtes françaises d'hommes de toutes les nations, portant leurs vêtements traditionnels, symbolise la future réalisation de l'égalité dans le respect des différences réciproques qui a été au centre des idéaux de bien des hommes de la Révolution et que nombre de dramaturges se sont préoccupés d'exprimer. Sylvain Maréchal, par exemple, a mis en scène des sans-culottes de toutes les nations européennes qui enfin se sont réunies dans une confédération d'États. La pièce se situe sur une île déserte où le Parlement européen a décidé de confiner tous les monarques et les papes aussi. Après être abordés sur l'île, les sans-culottes chargés de la déportation découvrent qu'en réalité,
L'île est habitée par un vieillard qui avait été condamné à la relégation 20 ans auparavant par les rois de France. Surpris et profondément étonné par les récits de ce qui s'est arrivé dans son pays pendant la période de son absence, le vieillard apprend que l'Europe, désormais, s'est constituée en un seul pays, démocratique et républicain. Je cite la dernière scène, il y a les 100 culottes français qui parlent. « Bon vieillard, tu as devant toi un représentant de chacune des nations de l'Europe devenue libre et républicaine, car il faut que tu saches qu'il n'y a plus de roi en Europe. » Les vieillards, quoi, l'Europe entière est délivrée de la contagion des rois? Les sans-culottes allemands, l'exemple des Français a fructifié, même si ce n'a pas été sans peine. Toute l'Europe s'est liguée contre eux, non pas les peuples, mais les monstres qui s'en disaient impudemment les souverains. Ils ont armé tous leurs esclaves, ils ont mis en œuvre tous les moyens pour dissoudre ces noyaux de liberté que Paris avait formés. Mais à force de méditer les principes sacrés de la Révolution française, à force de lire les traits sublimes, les vertus héroïques auxquelles elle a donné lieu, les autres peuples se sont dit « Ben, nous sommes bien dupes de nous laisser conduire à la boucherie comme des moutons ou de nous laisser mener en laisse comme des chiens. Fraternisons plutôt avec nos aînés en raison, en liberté. En conséquence, chaque section de l'Europe envoya à Paris des braves sans-culottes chargés de la représenter. Et là, dans cette diète de tous les peuples, on est convenu qu'un certain jour, toute l'Europe se lèverait en masse et s'émanciperait. Ainsi, chaque nation a eu son 14 juillet, et chaque peuple, le même jour, s'est déclaré en République. Mais en même temps, on proposa d'organiser une convention européenne qui s'était à Paris, chef-lieu de l'Europe. Le premier acte qu'on y proclama fut le jugement dernier des rois qui ont été condamnés à la déportation sur une île déserte, et voilà la raison pour laquelle nous sommes arrivés ici. Bon, le chef-lieu de l'Europe, c'est-à-dire Paris, est aussi la demeure choisie par les personnages principaux du tableau patriotique intitulé « Allons, ça va » ou « Les Quakers en France », qui décide de s'installer justement à Paris après avoir visité tous les pays du monde. D'après ces mots, la liberté et la tolérance qui y règnent seront vite étendues à l'ensemble de l'humanité. Je cite un peu ces mots. « Les Quakers, roulant mon domicile, je cherche en tout asile. La France est ma retraite parce que c'est là que s'arrête la liberté. » Bon, ce même sentiment est exprimé par l'héros de la pièce Andros et Almona ou les Français à Bassora. En s'adressant au peuple multiethnique de la ville de Bassora à cette époque-là, Andros exhorte les spectateurs à respecter la fraternité et la tolérance religieuse que les révolutionnaires français ont instituées comme fondement de leur nouvelle société et qui très vite permettront à tous les hommes d'être des frères. Je cite « Au peuple de Bassora, pourquoi voulez-vous une religion dominante ? Chaque prêtre vous dira, croyez-moi, vous êtes perdu. Mais moi, peuple, qui ne suis point prêtre, je te dirai, et qu'importe que chacun adore Dieu à sa manière, tolérant tous les cultes, de quelle influence peut être pour notre bonheur public et particulier notre diversité d'opinion sur la manière de rendre hommage à la divinité? Ce qui nous intéresse tous, c'est d'être d'accord sur la morale. Mortel, de quelque religion que tu sois, tu trouveras cette morale gravée dans ton cœur. Interroge-le. Te dit-il d'être ingrat, imposteur, inhumain? Non. Il te dit de traiter autrui comme tu veux qu'il te traite. Il te commande d'aimer, de secourir ton semblable, ton frère, sans t'informer s'il est juif, musulman ou papiste. Sois donc bon citoyen, bon père, bon époux, bon ami. Sers les hommes et ta patrie et tu auras rempli tous les devoirs, que te proscrit l'être suprême, les dieux de toutes les religions. Embrassez donc tous, plus de querelles, aimez, servir l'humanité, c'est la manière la plus belle de servir la divinité. Bon, le rêve d'un monde sans frontières, libre de préjugés politiques, sociaux et religieux, a continué à se matérialiser dans les salles de spectacle parisiennes au moins jusqu'en 1794, année où la phase idéaliste de la Révolution a commencé à décliner. Bon, phase idéaliste, c'est la définition donnée par certains historiens qui va du début de la Révolution jusqu'à au moins la fin de la Terreur. Bon, jusqu'à ce moment-là, les dramaturges ont pu se faire les porte-parole de tous ceux qui souhaitaient l'avènement d'une société universelle fondée sur la communion spirituelle d'âmes certes différentes, mais fondamentalement semblables. Des Anglais, des Allemands, des Russes, des Hongrois, des Américains, mais aussi des Australiens, des Africains, voire les habitants des îles les plus reculées du Pacifique, apparaissent comme personnages aux côtés des frères français dans des pièces qui ont été saluées par les journaux de l'époque comme le fruit du génie révolutionnaire.
des pièces dont l'écriture dramaturgique dépasse aussi les bornes des formes et des contenus du classicisme national français. Et c'est une question, celui du dépassement du classicisme français, qui est très intéressante, mais aussi très compliquée pour être développée dans les temps qui nous restent, et qui est en quelque sorte le sujet de ma pièce. Bon, de ma thèse, pardon. Bon, ces pièces ont contribué de façon déterminante à faire vivre et à perpétuer l'espoir d'un monde sans frontières politiques et culturelles. Je vous remercie. Grazie. C'est difficile.